Bonsoir à tous. Stéphane Le Foll en déplacement dans le Loir-et-Cher aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture y reste 48 heures. Il s'est entretenu avec des représentants locaux du monde agricole. Il rencontrera demain ses homologues européens qu'il a conviés à Chambord pour réfléchir ensemble à la nouvelle politique agricole commune. Chambord, c'est précisément là où vous vous tenez. Anaïs, bonsoir. Que peut-on dire sur cette première journée ? Alors Stéphane Le Foll est arrivé vers 16h à Blois, à la préfecture. Il y a rencontré en fait les représentants du monde agricole, en présence aussi de, bien sûr, de tous les élus locaux. Il y a eu des échanges longs et constructifs dans les salons des appartements du préfet. Ça a duré de 16h à 17h45, soit plus que ce qui était prévu. Mais bien sûr, dans le contexte actuel, il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Parmi les sujets abordés, les aléas climatiques, bien sûr, les problèmes d'assurance. Et donc Stéphane Le Foll a assuré à proposer des choses aux agriculteurs à travers leurs représentants, un plan de maîtrise et de stabilisation de la production laitière, notamment, excusez-moi, avec un rendez-vous européen le 21 septembre. Le président de la FDSEA, donc départemental, Florent Leprêtre, s'est dit plutôt satisfait de ces échanges, mais trouve encore cela insuffisant. Il faudra donc aller plus loin. Ensuite, direction ici Chambord, où il a reçu, donc Stéphane Le Foll, 21 ministres européens, des homologues venus de toute l'Europe pour discuter demain de la PAC, la politique agricole commune. Un rendez-vous sous très haute surveillance. Il y avait ici plus de 1200 personnes autour des forces de l'ordre, pardon, plus de 1200 personnes entre le GIGN, les CRS, la police et la gendarmerie. Donc vous voyez, un rendez-vous très surveillé. Merci beaucoup Anaïs Michon, duplex de Chambord en Loire-et-Cher.